Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. On va jouer à cache-cache par ordre alphabétique. Alors là, déjà, on va faire Shifumi pour savoir qui va se cacher et qui va chercher. Shifumi! Hop là! C'est moi qui va chercher et les deux vont se cacher. Mais il faut choisir les lettres. Et comment vous allez choisir les lettres? On va piocher à l'aveugle. Par exemple, si on a la lettre P, on devra trouver des cachettes qui commencent par P, par exemple piscine. Et après, j'ai pas d'autres exemples. Okay. Bon, voilà. Et moi, le temps, je vais attendre dehors pour pas voir comment ils se cachent. Ils se cachent où ils veulent. Et vous avez 15 minutes pour vous cacher. Et moi, je vais sortir dehors, devant. Si vous voulez vous cacher là. Et Ina, elle a aussi 15 minutes pour chercher. Je vais aller derrière la maison parce que s'ils veulent se cacher dans la piscine ou sur cette table ou je sais pas, faut pas que je les vois. Donc on va aller derrière. Ciao, à dans 15 minutes. Donc là, derrière ces feuilles, y a les lettres de l'alphabet et Daniel et moi on va piocher. Toutes les lettres. Ouais, il y a toutes les lettres, 26 au total. Tu savais ça? Non. Vas-y, à toi de piocher. Ah, le thé. Tiroir. Et après, c'est bon. Tu sais pas? Tiroir. Moi, j'ai remarqué que quand on fait les cache-cache, à chaque fois, je me cache en dessous d'une table. Vous aussi, vous avez remarqué ou pas? Mais cette fois-ci, il y a pas de thé. J'ai pas le thé, du coup, je vais pas me cacher en dessous de la table. Oh, Daniel, j'ai déjà une cachette pour toi. Regardez, personne connaît cette cachette à part moi. Parce qu'en fait, quand je viens, par exemple, à chaque fois, on est dans des nouvelles maisons et à chaque fois, je cherche. Beaucoup de trucs, je sais pas, je cherche. Je sais même pas qu'est-ce que je cherche, mais je cherche vu que je suis tellement curieuse. Et regarde qu'est-ce que j'ai cherché hier soir. Waouh. Je me disais que c'était possible que ça s'ouvrait. Et là, vu que c'est une table, tu vois. Table basse. Tu peux rentrer dedans. Attends, il y a un truc qui tombe ici. Ok. Essaye de bien mettre tes pieds. Attends. Je pense que t'as trop grandi, hein. Tu peux pas. Tu peux là? Il y a un truc qui bloque. Daniel, tu bloques le truc? Ah non. Vas-y, rentre. Aïe. Ah non, t'es trop grand. Si on aurait fait ce cache-cache il y a 2 ans, il aurait pu rentrer. Ah ouais, pourquoi moi je t'aide en fait? T'es mon adversaire. Et bam! Celle-là, c'est la lettre. Pas crier parce que sinon Elina va savoir que ça va être aussi. Oh mais elle est dehors, je suis bête. Enfin quand même, prendre des précautions, hein. Moi être riche. Du coup c'est, moi franchement je sais pas qu'est-ce qu'il y a, je peux me cacher, genre canapé. Parce que le canapé, il y a pas tout dedans. La cuisine, parce que en fait il y a plein de tiroirs. Du coup c'est plutôt beaucoup. Du coup je sais pas où je peux me cacher franchement. Bon allez Daniel, on va se cacher. J'ai entendu, t'as dit canapé, regarde. Rien. Ah non, il y a pas trop. Ouais. Mais oui, la table. Si j'ai envie de me passer sous la table, je peux m'allonger sur les chaises. Je me bats pas. Et ça ne marche pas. Bah, le plus simple c'est la cuisine, mais franchement je sais pas où rentrer parce que déjà je suis grande en taille et il n'y a pas beaucoup de cachettes, il y a plusieurs tiroirs mais ils sont vraiment petits. Donc regardez, en gros c'est des grands tiroirs comme ça, sauf que c'est séparé en deux. Voilà, ok. Je pense que lui il a déjà trouvé sa cachette. Nickel. Là regardez, je peux pas. Là non plus. Là c'est trop haut. Là carrément je peux pas. Des verres. Non, là en haut, non je peux pas, il y a que Rocky qui peut rentrer. Non, là je vais mourir de froid ici. Non, là je peux pas. Là non plus. Purée, mais en fait il y a aucun cachet là. Wow. Bon, il y a aucun cachet ici, je vais chercher quelque part d'autre. Je peux peut-être essayer de m'allonger là sur les chaises parce que les chaises ça commence par un C. Mais non, je vais tomber sur le côté, là, va me voir. Franchement, je ne connais pas d'endroit qui commence par C. Canapé, venez, on va voir qu'est-ce qu'il y a pour le canapé. Et qu'est-ce que t'es assis? Il ne reste pas beaucoup de temps, dépêche-toi.
En fait, j'ai une idée. Reste ici, tu sais. On peut lui faire des pièges pour qu'elle, elle perde du temps. Une fois, je me suis cassée sur la table et j'avais mis une nappe. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous le mets juste ici, dans le petit. Bon, bref, à cause de la nappe, Elina, elle m'a trouvée. Donc là, on peut mettre une nappe et elle va croire que je suis encore en dessous de la table. Ou que peut-être toi. Merci. Voilà. Dépêche-toi, on n'a pas assez de temps. J'allais te donner des idées, mais en fait, non. J'ai oublié que... On n'est pas coéquipiers. On est coéquipiers que pour faire des pièges, en fait. Voilà. Donc, franchement, le canapé, il est petit. Et je peux pas me cacher derrière les coussins parce que... Regardez qu'est-ce qui tient le coussin. Un petit truc comme ça. Franchement, je sais pas comment je vais faire. Et, attendez. Genre là, peut-être... Parce qu'il y a un trou en dessous. Que je fasse tomber en arrière et que je regarde s'il y a un trou. Oh, j'ai de la force, wesh. Regardez, ça. Ah non, c'est cousu. Oh, j'allais dire, regarde. Ah non. Ouh. Attendez, il y a un truc qui m'intéresse. Oh non, j'ai pas assez de place, je vais être écrasée en fait. Ça, c'est parfait pour Daniel, mais canapé, c'est pas avec la lettre T. Oh, mais attends, le canapé, c'est fait avec du tissu teinté. En fait, du coup, Daniel, il peut se cacher. J'ai trouvé un autre piège pour perdre du temps à Elina, des bonbons. Alors ça, j'ai trouvé dans le magasin chinois. Elina, oh bah, on n'a jamais vu des bonbons comme ça. Moi, je pense que ça va intriguer Elina. Elina, elle pourra pas s'empêcher. Elle va essayer d'ouvrir et de goûter. Regardez, j'ai trouvé des Oreos avec des confettis dedans. Bien sûr, mangeables. On va le mettre ça là pour qu'elle voit bien les bonbons et qu'elle regarde et elle mange. On a aussi un autre canapé qui est juste en bas. Venez avec moi. Voici la salle d'en bas. Du coup, là, il y a un autre canapé. Attends, je touche en bas. Oh non, il n'y a pas trop. Ça bouge pas. Non. Purée, non, je peux pas. Non. En fait, moi, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête avec la lettre C, mais genre, c'est que des objets, c'est pas un endroit où je peux me cacher comme un canapé. Non, moi, je trouve que des... Par exemple, calculatrice... J'ai tout le temps qu'un seul exemple, après, j'ai pas d'autres exemples. Et ça, c'est pas un canapé, c'est un siège. En vrai, on me voit pas, là. Ah, si on me voit. Si on me voit. Alors, c'est une autre table pour Daniel. Table ping-pong. Vu que je peux pas me cacher dans cette salle, je vais faire ramener Elina ici quand elle va chercher, bien sûr. Donc là, j'ai deux téléphones, je vais en laisser un ici et je vais en prendre un avec moi dans ma cachette et je vais appeler sur ce téléphone. Je sais pas si vous avez compris, mais au moins Elina, elle va entendre un téléphone, elle va croire que c'est le mien et elle va déjà courir en bas pour me trouver. Mais je suis pas là. Je suis dans une cachette, qu'on verra ça après parce que j'ai pas d'idée. Daniel, qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche une cachette où je peux me cacher. Par exemple, les toilettes. Je peux me cacher derrière la porte. Le tiroir. Ah non, là, je vais le casser. Pour Daniel, par exemple, il n'y a pas beaucoup de choses qui commencent par T. Et les seules choses qui commencent par T, par exemple, c'est les toilettes. Il n'y a pas d'endroit. Table, c'est trop crédible. Franchement, aidez Daniel. Dites-lui... un endroit que mon commence par T où il pourra se cacher. Hein? Mmh. Allez, s'il vous plaît, écrivez en commentaire une cachette pour Daniel. On vous laisse une minute. Dépêchez-vous. Amélie, elle a dit un truc de tissu. Là, il y a tout qui est en tissu. Non, pas tout. On me voit? Ouais. Ici. On me voit. Bah là, pour courir. Dans la couchère. Mais non, mais Elina est déjà descendue ici, elle va dire que c'est bizarre qu'il y a plusieurs coussins. Tu vas voir. On va chercher quelque part d'autre. Non. Je vais essayer ma tête. Daniel, t'as plus de 3 ans, tu peux pas rentrer dedans. Voici le téléphone, je vais le mettre là.
Et quand on va voir le téléphonicien, elle va dire ah, ils sont bien foutus de ma gueule. Allez. Et maintenant, faut que je trouve un piège en haut pour que. Ben, à part en haut. Oh, regardez. Là, il y a un carton. Ça commence par C. Je peux peut-être me cacher dedans, non? Je pense pas. Et en plus, je vais pas rentrer parce que. Regardez ma taille. Sur le côté, vous pensez vraiment que je vais réussir? Non. Je peux me cacher derrière le carton. Bon, pour ça, j'ai pas d'autre cachette. Du coup, cette cachette, je vais me garder en fait. J'ai trouvé où je peux me cacher. En dessous d'une table à repasser. Repasser. On va enlever tout ça. Ah! Mais aïe! Non, je peux pas se dire, j'ai fait une cachette. Oh, j'ai fait un piège pour Elina. Je vais mettre une couverture. Ça, c'est moi. Voilà, j'ai mis des chaussures et le coussin. Là, on dirait vraiment que c'est moi. Et moi, je vais me cacher quelque part d'autre. Je vais obliger Elina de monter en haut. Du coup, je prépare un piège. Alors, j'ai pris un fil, je l'attache à la plante. Après, je l'attache à la moto. Et après, je le mets comme ça. J'allume. You. Comment on allume ici, comme ça. Je vais me cacher. Après, je fais rouler le jouet. La plante, elle va tomber comme ça. Et après, là, elle va penser que c'est Amélia ou moi. Direct, elle va monter en haut. Je vais aller me casser. Quel mot commence par un T? Ah, terrasse. Terrasse. Ah, comment on ouvre? S'ouvre ou pas? Ah, j'arrive pas à ouvrir, mais un grand balcon, c'est aussi une terrasse. Ah oui, j'ai vu. Et ça, c'est une terrasse. Ah, mais ça, c'est un transat. Attendez. Ah non, tu veux pas me casser ici, je vais me casser ici. Alors. Voilà, c'est bon. Tu me vois? Donc là, je vais utiliser les chambres à coucher. Donc là, c'est pas une chambre, du coup, je peux pas. C'est une salle de bain et ça commence par un S. Là, c'est ma chambre. Donc là où je peux m'allonger. Peut-être en dessous de la couverture? Non, on va me voir. Peut-être dans le placard? Non, c'est une cachette banale. Tout le monde cherche ici. Où je peux me cacher? Ben, il n'y a rien d'autre. Je peux pas me cacher ici, mais je peux faire des pièges. Regardez, je prends un coussin et je vais faire genre que c'est moi qui vais allonger. Et là, je vais mettre mes chaussures. Faut que ça tienne comme ça. Non, comme ça, on va mettre comme ça. Là, elle va croire que. Hop là, je suis allongée. Et me mettre la chaussure. Oui, j'ai mal réfléchi. Je vais plutôt les mettre comme ça en dessous. La chambre pour que elle croie que je suis vraiment cachée là-dedans. On va chercher dans cette chambre. Là, je peux pas, c'est une salle de douche. Et là, il y a totalement rien. Du coup, je pense que je vais chercher dehors, dans le jardin. Là, j'ai mes claquettes et je vais mettre dans la cuisine pour qu'elle croie que je me suis cachée là.
On les met comme ça. Alors, je suis dehors. Il y a un chien qui fait que la voyer. Je suis désolée, c'est pas de ma faute. Alors, où je peux me mettre? Pas le sac un P. Comment ça s'appelle ça déjà? Piscine, c'est avec un P. Transat, c'est avec un T. Regardez, ça, c'est deux poufs. Mais si je prends ça et que je le mets contre le mur, ça va faire un canapé. Sauf que où je peux me cacher, en fait? Non, ils ont l'air sales, un peu. On va trouver quelque chose. Il s'est calme, le chien. Ici, il n'y a que la voiture. Je sais pas où je me cache. Oh, si! Regardez, il y a une voiture. Et derrière une voiture, il y a quoi? Un coffre. Et coffre, ça commence par un C. Donc là, je peux me cacher dedans. Attendez, j'arrive, je vais prendre les clés. J'ai les clés. Donc là, je vais me mettre dans le coffre et Elena, elle va pas me trouver. Voilà. Oh, j'ai des poussins et tout. Si je veux faire une petite sieste. Je dois pas salir la voiture parce que mon père, il est un peu maniaque sur sa voiture. Il veut qu'il soit tout le temps propre. On n'a pas le droit de manger dans la voiture. Regardez, on est parti à Port-Aventura. C'est trop bien. On a pris les photos dans les parcs. Regardez, la Daniel. Trop drôle. Puis après, là, c'est qui? Là, c'est tous les parcs. Elena voulait faire un Ferrari, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Elle a vu la vidéo d'Inox qu'il avait fait avec son pote. Elle voulait tellement le faire. Il y a moi et ma mère. C'était un petit truc pour les enfants, mais ma mère a quand même eu peur. C'était un truc... Là, c'était pour les petits et c'était là qu'on avait fait. Elena, elle a fait le truc blanc. J'ai été choquée. Ma mère et moi, on s'est dit, mais elle est malade, celle-là. Les gens qui font ça, ils sont malades. En plus, Elena, elle voulait que j'aille avec elle, mais elle est malade, celle-là. Jamais de ma vie. Et là, j'ai fait un petit top. Ciao, ciao. Petit poussin. Alors c'est bon, mes parents m'ont dit de sortir parce que ils se sont cachés, Amélia et Daniel. Ça fait 15 minutes qu'ils étaient en train de se cacher. Et maintenant c'est à moi d'avoir 15 minutes pour les chercher. C'est parti, je vais laisser le téléphone dehors, je vais entendre. Oula, après ils ont ouvert toutes les portes de la cuisine. Ah, ça fait bizarre. Il y a personne qui a pu se cacher là, je sais pas. Ils ont tout ouvert. La gamine va se faire mal après. Bref, pourquoi il y a les claquettes d'Amélia? Ça ne peut pas qu'elle se cache dans la cuisine. La cuisine, elle est trop petite pour qu'elle rentre quelque part. Donc, elle n'est pas cachée ici. Pourquoi il y a les... Vous voyez, j'ai les nouveaux Oreos. C'est quoi ça, ce nouveau truc? Je pense qu'ils ont fait exprès pour que je perde du temps. Mais ça va, j'ai 15 minutes. En vrai, je goûte, comme ça au moins, pour eux, il n'en restera pas. Et je vais les cacher après. Donc on va goûter, dégustation. Alors ça, c'est Oreo gâteau. Je connais pas. Ok, c'est comme si c'était les normales. Sont bons, ça la fraise, je sais pas du tout c'est quoi. Ils savent que j'aime bien la gourmandise, du coup ils ont laissé, mais je connais pas les roseaux. Hein. C'est bon, ils m'ont laissé pour que je perde du temps, mais ça je vais cacher et ça sera que pour moi. Ah, mais les Daniel, ça se peut pas qu'ils touchent en haut. Regardez, ils ont laissé où ils trouvent. Ils ont laissé là où ils ont pioché les lettres par alphabet. Du coup, ça veut dire qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet. Mais aussi qu'il en manque deux. Donc celui d'Amélia et celui de Daniel. Si la cuisine a été ouverte et que ça commence par un C, c'est que c'est Amélia qui a le C parce qu'il y avait ses claquettes en plus. Sinon, elle n'aurait pas ouvert. Ok. Et Daniel. Après, peut-être que c'est Daniel qui a mis les claquettes d'Amélia, mais je pense pas. Alors, A, B, le C, du coup, il manque le C, A, B, C, le D, D, D,
Y a pas de 2D? D, A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. T. Voilà, c'est T. Daniel, c'est T. Ou Amélia, je sais pas. Mais c'est T et S. T et C. Alors, T table. Y'a personne. C'est trois simples T. Je regarde quand même. T. Table là, y a pas. C'est cuisine, c'est ça. C'est placard, non. Toilette. Il y a des qui sonne. C'est en haut ou en bas? En bas, je crois. On va allumer. La lumière est allumée. C'est un prank. Là. On pousse les téléphones à ma mère. Pas très futé. Du coup, il y a peut-être quelqu'un qui est caché là, mais je pense pas. Ça, c'est un canapé, comme c'est. Il y a personne qui peut rentrer dedans. La télé. Daniel va pas rentrer dans la télé non plus. Table. Il y a un trou, mais personne n'est rentré dedans. Ah, il y a des toilettes, mais il y a personne. Bon, je pense qu'il y a personne là en bas, je vais remonter en haut. Après, il y a une autre chambre là, mais. Ça sent. Il y aura personne. C'est un prank! Ouais, Daniel. Non, mais je rêve plus. Parce que ça, c'est table de repassage. J'avoue. En vrai, oui. Mais sinon, c'est trop simple. C'est trop crème en plus, on voit ses pieds. Donc. C'est pas ici, moi, je pense qu'ils sont en haut. 1, 2, 3, 4, 5. On dirait qu'il y a une personne qui tombait. J'ai entendu un bruit. Je pense qu'ils sont vraiment tout en haut. Il n'y a rien, il y a... on peut nulle part se cacher. Wesh. Pourquoi se cacher ici? Coussin, lit. C'est un prank! Un coussin! Bref. C'était sûr que c'était pas elle parce que c'était trop visible. En plus, elle a mis ses chaussures comme si j'allais voir ses chaussures. N'importe quoi, ça veut dire qu'elle a changé de chaussure. Mais après, il n'y a rien. T, C. Là, il n'y a rien qui a pu tomber. T'es dans la chambre. C'est Daniel. C'est-à-dire qu'il était à côté parce qu'on ne veut pas le faire de loin. Il faut être à côté pour la faire bouger, donc ça veut dire qu'il était pas loin. Oh, il est intelligent, je pensais que c'était eux, mais en fait c'est ça qui est tombé. Et c'est terrasse. Voilà, terrasse. Terrasse, c'est en haut. On va sortir par là, j'ai vu que... Oh, c'était ouvert. Il y a quelqu'un. Ou alors c'est fait exprès encore une fois, mais... Il y a quelqu'un qui a laissé ouvrir. Oh là, allez bouge. Il n'y a rien sur la terrasse. C'est nul. Pour tout ça pour ça? Daniel, ta cachette, elle est trop nulle. C'est assez très longtemps. J'ai trouvé toi en premier qu'Amélie, hein. Mais t'es trop nulle, viens rentre. T'as pas froid? Non, il fait chaud. Il fait chaud ici. Bon, on va chercher Amélia maintenant. J'espère que ça sera un peu plus dur, mais pas trop, que je la trouve quand même. Mon père vient me prévenir qu'il me reste que 3 minutes, donc je sais pas du tout où elle peut se cacher. C'est. Je sais pas, il y a plus de trucs. En haut, on peut pas monter parce que c'est. Ça ramène à rien. C'est une échelle qui ramène à rien. Genre, c'est un escalier qui ramène à rien. Je. Voilà. Juste à. Comment ça s'appelle déjà? Des panneaux solaires. C'est. Pourquoi j'ai que dans la tête cuisine du coussin? Carrelage. Dans la maison, elle est pas là, donc je vais aller chercher dehors. Dépêche-toi. Et si j'ai pas envie? Tu perds? Là. Je suis sortie, j'ai vu ça directement.
Pour moi, c'est un pouf. Mais je suis sûre, Amélie, elle a essayé de faire passer ça en mode. Mais ça ressemble à un coussin, donc c'est un coussin. Et si je mets un coup de pied? J'espère que c'est pas elle deux. Mais elle est où? Je sais pas. Y'a rien, c'est ABC, c'est. Amel! Amel! T'es où? Je suis sûre qu'elle est dehors parce qu'à l'intérieur y'a rien, y'a juste coussin. Coussin, couloir. Cuisine. Oh, elle était cachée dans le coffre. Amel, t'es vivante? Ça fait 15 minutes. Eh, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Mais j'avoue, coffre. Coffre de voiture. En plus, quand même, elle a filmé la voiture, je me suis dit, ouais, peut-être elle filme la voiture parce qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un dedans. Mais après, je me suis dit, toit de voiture, siège, voiture, ça marche pas. Mais si, coffre. Mais t'es trop forte. Et ouais. Allez, Daniel. Bon, pour Daniel, j'ai pris 12 minutes à le trouver, alors que c'était une cachette super simple. Et Amélia, ben, j'ai laissé tomber parce que, ben, en fait, quand on me dit, trouve un mot avec la lettre C, je suis en mode, je sais pas, cuisine, coussin. Voilà, le seul truc que je sais. Alors qu'il y a plein d'autres canapé, mots. Canapé, chambre. Voilà, voilà. Juste que, genre, en fait, quand on te dit, trouve, t'arrives plus à trouver. Quand mes amis me disent, dis ça en russe, alors que je sais de le dire en russe. Mais je suis en mode, j'ai oublié. Trop de mémoire. Bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez qu'on fasse une deuxième partie où moi je me cache avec quelqu'un d'autre. Nous deux? Non. Enfin, vous deux, vous cherchez et moi je me cache. Non. Il y a quelqu'un d'autre qui va. Entre nous deux. Ouais, il y a quelqu'un d'autre qui va se cacher avec moi. Et dites en commentaire, vous voulez que qui se cache avec moi? Amélia ou Daniel? Voilà, c'est la fin de la vidéo. On fait des gros bisous. Passez de bonnes vacances et ciao ciao!